Pascal Pro et vous. Et votre matinée continue sur Europe 1 avec Pascal Pro. 11h-13h, vous écoutez Pascal Pro et vous. Vous réagissez à l'antenne en composant le numéro non surtaxé de 01 80 20 39 21. Et Pascal, c'est le moment d'accueillir votre invité ce matin, Gérard Holst. Merci Géraldine. Alors que vous entendez le générique de Stade 2. Et c'est vrai que à l'époque, il y avait moins de télévision et que Gérard, forcément, vous êtes une figure de la télévision. Vous étiez une immense vedette à l'époque, le journaliste préféré des Français. Je pourrais citer d'ailleurs votre complice à l'époque, qui était en rivalité. C'était les deux beaux gosses de la télévision, Roger Isabelle et vous. Salut Roger. Et c'est vrai que c'était Vive le sport sur Antenne 2. Vous avez même été imité, caricaturé, ce qui est la marque du succès, disons-le. Alors le mot de vedette, non, moi je ne l'ai jamais accepté, c'est un peu comme le mot carrière, trop de modestie pour ça. Ah vous êtes une vedette. Non, ce qui me plaît vous bien aujourd'hui... Vous touchiez les gens, voilà, et vous avez toujours, vous avez un lien avec les gens, ils vous aimaient bien, d'abord vous étiez joli garçon, ça compte. J'ai une théorie là-dessus, Pascal, il faut bien prendre la lumière et surtout avoir une présence, vous savez, avant d'entrer dans le journalisme, je suis allé au cours Simon, avec René Simon, le grand patron, on l'appelait le patron à l'époque, un cours de comédie, et René Simon disait, l'important dans la vie, c'est d'avoir une présence, et ça ne s'explique pas, il y a des gens qui, naturellement, beau ou pas beau, moche, des beaux traits, pas des beaux traits, femmes ou hommes, ont une présence. On disait que Rémule, l'immense acteur, rentrait dans une rame de métro, tout le monde se taisait, parce qu'il avait la présence. Et c'est vrai pour des présentateurs et des présentatrices, encore aujourd'hui, il y a des gens qui ne parlent pas et pourtant on les écoute. C'est le plus important, c'est pas la beauté. Bon, vous arrivez d'un monde évidemment ancien, vous venez de citer par exemple un comédien que tout le monde connaissait dans ma génération, et pourtant il n'était pas de ma génération, c'est Rému. Mais vous allez aujourd'hui dans la rédaction, vous allez demander à tous ces jeunes qui sont là, qui est Rému ? Ils ne savent pas sans doute qui est Rému. Ou Louis Jouvet, ou Michel Simon. Alors que ces gens sont morts, Rému il a dû mourir tout de suite après la guerre. Vraiment, il n'est pas de ma génération. Mais on avait un bain culturel commun, parce que nous avions 2-3 télévisions à l'époque, donc on voyait ces films à l'époque, et ça n'existe moins aujourd'hui. Bon, vous êtes venu pour parler rugby. Je voulais savoir ce que vous pensiez d'abord votre livre, La légende du rugby, 1823-2023. 200 ans d'histoire chez Grunt. C'est une encyclopédie. Bon, il est formidable. On ne peut pas le montrer en télévision, malheureusement, puisque à la radio, c'est plus compliqué. Mais vraiment, il y a beaucoup d'iconographie, il y a beaucoup de photos formidables, il y a beaucoup d'histoires formidables. Vraiment, c'est un livre qui est une très grande réussite. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était votre avis sur cette Coupe du Monde qui... moi, je ne suis pas un spécialiste de rugby, comme vous le savez. J'ai l'impression que c'est une Coupe du Monde à 3 vitesses, qui a des très grandes différences, évidemment, de niveau, et qu'il va falloir attendre les quarts de finale pour voir des matchs exceptionnels. Mais c'est très bien vu, Pascal, parce que c'est exactement ça. L'avantage de cette Coupe du Monde-là, déjà, c'est de nous faire réviser la géographie. De se souvenir que Montevideo est la capitale de l'Uruguay, que Windhoek est la capitale de la Namibie, on va jouer demain soir, ça c'est la première des choses. Et c'est bien ça. Ensuite, ça permet, à des petites nations, entre guillemets, c'est pas les dévaloriser que de dire ça, mais qui pratiquent le rugby et qui pratiquent un bon niveau de rugby, mais de se frotter aux très très grands qui sont, on le sait, les All Blacks, l'Afrique du Sud, l'Australie, l'Angleterre, le Pays de Galles, enfin le tournoi des Six Nations. Ça permet de confronter à la fois des cultures et puis surtout de retransmettre dans le monde entier cette Coupe du Monde, là, de le faire un peu plus populariser ce rugby qui est quand même Six Nations. Les îles Britanniques et nous, la Roumanie qui a joué un bon rugby il y a un certain temps a beaucoup baissé, et puis quelques pays satellites qui sont contents d'être là. Oui. C'est vrai qu'il sans doute faudra-t-il attendre les quarts de finale pour avoir une rivalité plus forte. Alors on est avec des auditeurs, auditrices en l'occurrence, avec Isabelle peut-être qui voulait vous interroger, parce que c'est le principe de cette émission, c'est d'avoir parfois des personnalités, qu'elles puissent dialoguer avec, que les auditeurs puissent dialoguer avec elles. Bonjour Isabelle, vous appelez d'où ? Oui, bonjour Pascal, bonjour Gérard. J'appelle d'une petite commune à côté de Pau. Bonjour Isabelle. Et vous êtes amatrice de rugby ? Alors, c'est drôle, je suis passionnée en fait. Moi, je vis seule, mais ça ne m'empêche pas d'aller voir les Crunch au Stade de France. Ça ne m'empêche pas d'aller voir les Nouvelles-Zélandes France dans les tests matchs. Le Crunch, c'est France-Angleterre. Oui, le Crunch, oui, France-Angleterre. Pour ceux qui ne savent pas. Au Stade de France.
Oui, oui. Ah oui, pardon, c'est France-Angleterre. J'ai fait le dernier. J'étais allée voir le test match Nouvelle-Zélande-France où nous avions gagné avec beauté. Personne ne voulait sortir du stade. Voilà, je vis seule. Je suis le foot depuis que je suis petite. C'est mon père qui était basque. Je me rappelle très bien le tournoi des Cinq Nations à l'époque, le samedi après-midi, il quittait son magasin et il m'amenait devant la télé et on regardait les tournois des Cinq Nations avec Roger Couder qui commentait, enfin c'était fabuleux. Mon père est parti bien évidemment, mais moi j'ai continué à suivre et puis maintenant que je suis dans le sud-ouest, vous pensez bien que le rugby fait partie quand même de notre patrimoine, quoi, voilà. Et peut-être une question pour Gérard Holtz à l'occasion de sa venue, Isabelle ? Une question, mais elle est pas du... ça ne concerne pas le rugby. Mais ce n'est pas grave. J'aimerais bien savoir pourquoi, depuis des années, le Paris-Roubaix s'appelle Paris-Roubaix alors qu'il part de Compiègne, ma ville natale. Ah, c'est bien joué. Oui, c'est bien vu, ça. Ah, bravo. C'est un peu comme le Dakar. Hein. On continue de l'appeler Paris-Dakar, oui. Oui. C'est pour garder la marque, Isabelle. C'est pour garder la marque. C'est-à-dire que les organisateurs, ce serait trop compliqué de dire Compiègne et Vélodrome. Ce serait moins joli. Oui, ce serait moins mythique. Ça sonne moins, voilà. C'est absolument moins mythique. Si c'était parti dès le départ comme ça, peut-être que ce serait devenu mythique. Oui, exactement. Moi, j'ai une petite histoire. Vous parliez, Isabelle, du tournoi des Cinq Nations à l'époque. Le général de Gaulle, qui est à Colombey-les-Deux-Églises, regarde le tournoi des Cinq Nations. Il est avec sa femme, avec Yvonne. Ils sont près du feu. Et il y a l'Eurovision qui démarre. Et puis ensuite, il y a la présentation des équipes. Et il y a la Marseillaise. Et à ce moment-là, Yvonne se tourne vers le général de Gaulle en disant « Chérie, il passe notre chanson ». C'est extraordinaire. Et puis après, moi, je voulais parler, mais alors, moi, le match le plus fabuleux de ces dernières années, et je ne sais pas si vous serez d'accord avec ça, parce qu'il y en a quand même beaucoup, et je ne regarde pas tout, et vous, Gérard, vous êtes beaucoup plus assidu que moi, mais c'est Nouvelle-Zélande-France en 1999. Bien sûr. Le 31 octobre à Cardiff. Bien sûr. Non, mais vous avez raison. 31, avec Dominici. 43. Alors justement, je voulais qu'on ait une pensée aussi pour toute la famille de Christophe Dominici. Christophe, mais ce match, écoutez, ça me donne des frissons, rien que d'en parler, parce que l'année d'avant, on gagnait la Coupe du Monde de foot, et à un moment, on a vraiment cru qu'on allait se la gagner, cette Coupe du Monde. Et à chaque fois, on était tout un groupe, à chaque fois que la France mettait un essai aux Néo-Zélandais, mais on chantait la Marseillaise, il y avait un suspense pas possible, et à la fin, une joie extraordinaire. Et j'espère que cette joie, nous l'aurons si nous remportons cette Coupe du Monde. Voilà. Eh ben merci beaucoup Isabelle. Merci, vous êtes la première auditrice aujourd'hui. Gérard Holtz est avec nous sur l'antenne d'Europe 1. Vous pouvez lui poser quelques questions. Il va rester avec nous encore quelques minutes. Son livre est sorti, Légende du rugby 1823-2023. 200 ans d'histoire de William Webb Ellis à la Coupe du Monde 2023. À tout de suite. Et vous écoutez Europe 1, la radio partenaire de la Coupe du Monde de rugby. Il est 11h12, à tout de suite sur Europe 1. Europe 1. Pascal Pro et vous. Je le crie, oh, je le crie fort. Et par-dessus les toits, je crie, vive le sport, même si je n'en fais pas. Ah, je ne connais pas cette chanson. Ben alors non, c'est monsieur Fabrice DJ. Oui, DJ bon, Fabrice, bonjour. Oui, DJ Fab, bonjour. Éric Toulis, vive le sport. C'est un petit gimmick par rapport à notre invité Gérard. Mais justement, parce qu'on va prendre Arnaud dans une seconde, mais est-ce qu'il y a un sport que vous préférez aux autres et dont vous ne manqueriez aucune retransmission à la télévision? Depuis longtemps, c'est le rugby. C'est pour ça qu'en plus, quand on m'a proposé de faire un livre sur le rugby à propos de la Coupe du Monde, j'ai sauté sur l'occasion. Pourquoi? Parce que d'abord, le rugby, c'est le plus grand sans doute et le plus beau des sports collectifs. On ne peut pas s'amuser si on ne joue pas ensemble. Et c'est basique ça. Il y a des sports, le football... De temps en temps, il y a des éclairs de génie d'un Maradona, d'un Neymar, d'un Rocheteau dans le temps, ou d'un Platini. Mais on doit jouer ensemble, mais le rugby, c'est une obligation. Solidarité. J'ai cité l'autre jour René Krabos, qui était un ancien grand joueur de rugby, qui disait qu'il y a trois F dans le rugby. D'abord, avant le match, ensemble, entre supporters, il y a la ferveur. Pendant le match, il y a la fureur. Et après le match, il y a la fraternité. Et c'est pour ça aussi que je pense viscéralement qu'il faudrait absolument qu'on ait des moniteurs de rugby qui aillent dans les quartiers
et dans les cités plutôt que de jouer au foot, qui est de temps en temps un sport gravement individuel, parce que le rugby correspondrait très bien pour remettre des gamins sur les rails. Ces gamins qui sont à la limite de la frontière de la violence, à la frontière de la délinquance, si on leur faisait faire du rugby, ils apprendraient à jouer ensemble. Eh bien, on va poser la question à Arnaud. Arnaud qui est là, qui est chauffeur-livreur, fan de rugby peut-être, Arnaud. Il y a une limite quand même que je trouve, moi, au rugby, hélas, qui n'existe pas au football, c'est que les différences physiques font que parfois, il n'y a pas de surprise. Alors qu'au foot, et c'est la magie du football, c'est que la plus petite équipe pour abattre le Paris Saint-Germain. Il y a un exemple célèbre de El Biar qui avait battu en son temps, il y a 60 ans, Reims. Et ça, c'est unique quasiment dans un sport co. C'est-à-dire qu'au basket, les plus grands, vous ne verrez jamais une équipe de NBA battue par une équipe de National 3 en France. C'est absolument impossible. C'est impossible. En rugby, pareil. Bon. Au foot, c'est possible. Le PSG peut être battu par une équipe de National. Et ça lui arrive d'ailleurs de temps en temps. Arnaud, bonjour. Arnaud. Bonjour. Une question peut-être pour Gérard Holz ou une interrogation. Oui, bah, déjà lui dire que il fait partie de mon enfance. voilà, j'ai toujours écouté Gérard Holz et beaucoup d'autres. Pierre Salviac, Albin Adejo. Moi, je me régalais de leurs commentaires remplis de chauvinisme à l'époque. Et c'est une époque qui est un peu révolue, malheureusement. Et d'ailleurs, j'avais une question à lui poser. C'était par rapport, en fait, au rugby d'avant et au rugby de maintenant, que je trouve complètement différent et malheureusement de plus en plus pas pourri encore, mais non, malheureusement ça arrive, pourri par l'argent, par rapport justement à la disparition de clubs emblématiques qu'il y avait et qu'il n'y a plus aujourd'hui, et il n'y a plus que des grosses écuries aujourd'hui, et c'est voilà. Mais c'est vrai dans tous les sports, c'est vrai que les licences américaines en NBA, c'est vrai que le foot aujourd'hui, c'est vrai, l'argent est présent. Gérard Holz. En 1995, ça a basculé, donc le rugby est passé professionnel, voilà. Et c'est vrai que par exemple, il y a eu un signe, c'est la façon dont les rugbymen se sont félicités après avoir marqué un essai. Pendant très longtemps, ils ne se touchaient pas, ils se regardaient, ils se tapaient dans la main, et maintenant ils s'embrassent, et même les remplaçants viennent les féliciter sur le bord du terrain. C'est tout à fait un signe, ça. Les changements de club, pratiquement en cours d'année, ça ne s'est jamais fait, que Ficou change comme ça, bien sûr. Et puis la disparition. Moi, je me souviens, dans les premiers Stade 2, et c'était Coudert qui faisait les résumés, Roger, on citait encore Lombez Samatan, par exemple, dans le Gers, comme les résultats, parce qu'ils étaient encore dans les ici Lombez, à vous Paris, la célèbre phrase, bien évidemment, que les journalistes répétaient de génération en génération. Ça résiste encore. C'est vrai qu'on a basculé dans le professionnalisme, c'est vrai, mais au aujourd'hui, il n'y a plus que des grands clubs qui sont amenés soit par l'argent, soit par des, ou alors par une histoire. Il y a encore Toulouse, mais Toulouse aujourd'hui, Béziers, effectivement, par exemple, Béziers, AGN, Lourdes, tout ça, ils ont disparu parce qu'il n'y a plus de, il n'y a pas d'argent, quoi. Ben merci en tout cas Arnaud, vous étiez on voulait faire une petite séquence rugby avec l'ami Gérard Holz, et on va changer d'univers, figurez-vous Gérard, parce qu'on va parler politique. Je ne sais même pas si vous avez un engagement politique. Non, aucun, j'en ai jamais eu. Et j'ai plein de copains, d'amis, à la fois à gauche et à droite, de Ségolène Royal à Nathalie Kosciusko-Morizet, de mon copain Philippe Martin. On vous a demandé parfois d'être sur une liste. Plusieurs fois, à droite, à gauche. Je n'ai jamais signé. Mais non, vous votez. Je n'ai jamais signé. Je vote tout le temps, c'est super important de voter. Et vous dites pour qui vous votez, vous dites pour qui vous ne votez pas. Oui, bien sûr, je le dis, bien sûr. Donc vous avez voté aux dernières élections pour au second tour. Oui, j'ai voté au second tour pour la dernière élection, bien sûr. Oui. Et donc, vous avez voté pour qui, puisque vous le dites ? Non, mais parce que je suis contre l'extrême droite, basiquement, et je ne suis plus du tout contre la gauche. Je suis plus du tout pour la gauche, je veux dire. Moi, si un jour on m'avait dit, je serais plutôt radical de gauche, vous voyez. Oui. Des gens comme ça, des Edgar Faure, des gens comme ça, centre-gauche, ça me plaisait bien. Ça me plaisait bien, ouais. Merci en tout cas, merci d'être passé par ce studio où vous avez travaillé quand même à Europe, vous avez fait... Deux ans, une première année le dimanche avec Sandrine Dominguez, et puis la deuxième année on avait inventé quelque chose qui est repris sur une radio concurrente aujourd'hui privée, qui était de rendre service aux gens, c'était Système G,
C'est-à-dire qu'on me posait une question, un problème, ouais, et on le résolvait ensemble. Ah bah avec oui, mais même ça a fait florès cette émission avec aussi, c'est oui, celle voilà, à laquelle je voilà, pensais. Bon, allez, on ne va pas lui en vouloir, elle marche parce bien, qu'elle marche bien et bon, c'est un garçon. Et je crois que vous avez travaillé avec DJ Fabrice. C'est fort possible. Oui, il y avait notre ami Marc à la réalisation, j'étais aussi à la console. Mais bien sûr, c'est un grand et très très bon souvenir. Eh bien, merci Gérard Holtz.